chargé, mais un autre matériel, une autre façon de travailler, mais surtout une autre méthodologie sur le poste de musculation. Du bulgare associé à du fitness, une méthodologie musculaire qu'on appelle méthodologie bulgare, lourd léger associé à du fitness. Un sac de frappe avec un mélange de squat, un mélange de pompe jetée au sol et un mélange de frappe qui va mêler à la fois l'art martial, le fitness, le taibo et le body combat. Ensuite, du déséquilibre total avec les ballons, du renforcement musculaire avec les cuisses, avec un renforcement spectaculaire, on va dire une osmose entre pilates et fitness. Des élastiques pour contribuer à l'hypertrophie musculaire, tels que les biceps et les triceps, et un gros halter de 10 kg qui est caché derrière nous. Et ce gros halter de 10 kg va permettre de travailler la force du centre du corps, c'est-à-dire la force du thorax, les muscles respirateurs et les muscles expirateurs. Alors, on change radicalement, il n'y a pas de step, il n'y a pas de barre, il n'y a pas de kit complet. C'est une méthodologie nouvelle pour mes camarades, puisqu'ils ont fait déjà dans les pas 2 heures. Donc, le cours s'appelait Body Challenge, donc il y a beaucoup de choses. On va avancer, on va aller plus loin, et avec eux, je vais découvrir ce coaching que j'ai préparé, puisque une fois qu'on prépare sur papier, c'est de le découvrir en réel. Merci. On va commencer avec Florent, avec 4 double punch, 4 pompes. Le travail, c'est à la fois un travail de puissance, un travail cardiovasculaire. Son objectif, c'est de taper au niveau de la tempe de l'adversaire. 4 doubles en haut, 4 doubles en bas ensuite. Pendant ce temps-là, nos camarades restent échauffés en biceps avec les talons décollés. Et il y a 4 passages à faire, Florent. Top, c'est parti. 4, 3, 2, 1, hop. 2, 3 et 4. Pompe, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On envoie. 4, on envoie. Double et pompe. 1, 2, pompe. Tac, tac, on revient à squat. Rappelez-vous tout ce qu'on fait en dos collectif. Pomper, jeter les jambes. Ça me sert à tout ça. Double, double, pompe en bas. Yes, passe. Double, double, pompe en bas. Le dernier. Double, double, pompe en bas. Bon, voilà, je fais la pompe. Je veux de l'explosivité. De l'explosivité, de la vitesse. Pompe, pompe, allez. Hop, hop, jette les jambes. Jette les mains, jette les jambes. 1, 2. Voilà, ça c'est jeté. Jeter les jambes. Double, double, pas, pas. Et le dernier. Avec des petits roulés au niveau des poignets. Objectif, coordination, maintenir la chaleur dans les épaules. Top, c'est parti. Avec la tranche du poignet, les garçons, là. La tranche du poignet, tac, 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 tac. Coordination, haut, en bas, avec les poignets. De en haut, d'en bas, de en bas. Et les enfants, tapez, 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 haut, en bas, tac, 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 Flo, haut, en bas, tac, 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 tac. Vous naviguez. Vous grimpez la montagne, vous descendez la montagne, en haut, en bas, tac, 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 tac. En haut, en bas, en haut, en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est bon ça. Du travail de vitesse, de coordination, on reste vigilant. Et on repart avec le roulis en place d'un travail en instable. Donc, connexion avec le pilate, connexion avec le fitness. Deux mains au sol, la ligne, épaule droite, épaule gauche, genou gauche. La jambe qui est sur le ballon est verrouillée. L'objectif de nos 3 camarades, c'est de faire des allers-retours avec le moins d'appui possible dans le sol. Ils vont faire 30 allers-retours, ce qui va surcharger en fait la jambe gauche. Une fois qu'ils ont fait ça, ils vont tout faire pour faire transférer la jambe gauche de devant sur le ballon 30 fois. Ça veut dire qu'ils vont se retrouver avec les deux mains uniquement dans le sol, en bipédie, et se retrouver en tripédie. C'est parti. 10, 9, calme. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, restez tendu. Je t'assure que je ne suis pas décontracté, hein. Je ne me sens pas bien. Restez. Vous portez les deux mains dans le sol, la jambe gauche, ça s'en va 30 fois derrière. Première, on ramène. Deuxième, on ramène. Troisième. Top, c'est parti. La continuité, le ramener de ballon avec les pompes en bas. On y va, les garçons. On pense à bien garder les fessiers vers le haut. Énorme travail de stabilité pour les épaules. Stabilisateur d'épaule, omoplate, devant d'épaule. Ensuite, les abdominaux qui vont travailler pour stabiliser le ballon. Le retour avec les jambes pour déployer les cuisses et les jambes. Les quadriceps blindés lorsque les jambes sont tendues. Les abdominaux qui vont vous tenir tout au long de cette magnifique aventure des pompes ballons. Restez en bas. Levez le bassin.
relâchez. 5, 4, 3, 2, 1. Restez, restez, allongez les deux bras. Dans les mains, force du centre du corps, force du thorax, force du grand dorsal, force des épaules, force des muscles inspirateurs, expirateurs. Un ballon entre les jambes pour stabiliser les adducteurs, stabiliser la partie basse du corps, des appuis bien forts au sol, une pression constante entre les deux genoux. Tel est le travail que l'on va faire maintenant pour renforcer toute la partie supérieure du corps et encaisser les chocs. C'est parti. 5, 4, 3, 2 et 1, 5 dans l'autre sens, 5, 4, 3, 2 et 1, vous gardez l'haltère proche du plexus, vous portez l'haltère tel un trône vers le haut, vous restez, vous ramenez, vous fléchissez sur le côté, vous partez en flexion latérale. Latéral droite, latéral gauche. Beaucoup plus fléchi par rapport à tout à l'heure. C'est parti. Relâchez. L'haltère vers le haut pour stabiliser les épaules. On ramène. Flexion gauche. Fléchis sur les jambes, Christophe. Bien, Florent. Relâchez. Voilà.